Merci beaucoup. Laissez-le avancer, s'il vous plaît. Trotte-le un peu. L'arrosage, vous avez vu, vous l'avez dit, que d'émotions. Jeannot est en train de se remettre de ses émotions, nous aussi. Alors je répète encore une fois, je crois qu'un... Mardi, je suis au boulot, hein, je suis au charbon. Je me lève à 4h et je vends du petit lait. Hein. Dans un premier temps, j'ai cru qu'on avait gagné. Après, il a un petit peu plafonné. Et puis, il a remis un coup droit. J'ai arrêté de pousser. Ah, puis j'ai recommencé à pousser. En fait, c'est peut-être en lui donnant un petit bol d'air, ça lui a permis de gagner. Ouais. Enfin, je rigole, mais c'était un grand... C'est pas toujours évident, elle a monté fine, et il l'a monté fine. Il l'a monté très fine. Il n'y a qu'un truc qui compte, c'est le résultat. C'est Federico Tesio qui disait, le pur sang existe, parce qu'il ne dépend pas de zoologistes, de techniciens, de vétérinaires ou tout ce qu'on veut, mais à cause d'un morceau de bois, le poteau d'arrivée du derby d'Epsom. Bravo. Jean-Paul, alors, Shannon Rock, une nouvelle fois, malheureusement, deuxième. Non, pas malheureusement, quand il est second du Grand Cip, hein, il y a plus malheureux que nous. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, il est deuxième. Comme un journaliste m'a dit, c'est Poulidor. J'ai dit oui, mais Poulidor est toujours vivant et il y a longtemps qu'il n'y a plus de ce monde. Mais on n'est pas battu par n'importe quel cheval. Non, là, non, non, c'est un crack. Le cheval est un crack, il a 5 ans, il a un gros potentiel. Le jockey, c'est la future Cravache d'Or. Bon, ben voilà. Et en face, il dit, nous avons gagné. J'ai pensé qu'il y avait un cheval qui allait l'amener encore plus loin sur le poteau. Et quand il s'est retrouvé devant, dès qu'il est devant, il fait ça. Alors, ouais. Un, il fait ça et l'autre, il vient lancer. Ouais, ça a suffi. Ah ben, ouais. Et le poteau, il bouge pas. Bon, allez. Coup d'essai, coup de maître. Première tentative dans un grand cycle à 20 ans. Les sensations. Énorme. Mais t'as pas douté un moment quand Shannon Rock te résiste un petit peu quand même? Sincèrement, je regardais pas. Je poussais, je me suis relevé au poteau, je savais pas que j'allais gagner. Ouais. Je savais pas que j'avais gagné tout simplement. Et... Ouais, t'as poussé jusqu'au poteau et une fois le poteau passé, bah vous avez gagné, bah bravo. Comme on dit, la tête dans la musette et j'ai pas trop regardé quoi. Hey, Jan. Very good. Yeah, good. Super. Hey, ik denk dat ik gewoon 7 reed 400 meter. Ik denk gewoon 70 reed 400 meter. Ga eraf, ja? Ja. Laatste stukje. Laatste 400 meter, ja. Allez, Stitch. Geen merde. Ja. Thank you, hè. Thank you. Ah, tyfus. Dat is al op mijn poot, zeg. Thank you. Et toi, Dédé? Tu as perdu la prothèse à minimum, toujours? Eh, super. Hein? Oui, c'est bon. Ah ouais, je sais pas si tu branles pour pas gagner à thé avec, tu vas voir. Hein? Je suis pas bon. Non, mais nickel. Salut. Personne ne rachète moi les mains, là. Monsieur Lyon. Ça te va, hein? Merci. Allez, Daniel.
derrière la carlingue. Et 16 temps, ils vont envoyer. Il est impressionnant. À l'étranger, il va tout gagner. Quand on a des chevaux comme ça dans les box et qu'on compte sur eux pour l'hiver et qu'on se retrouve comme des cons sans ces chevaux-là, c'est vrai que c'est dur à vivre. Hein. Ils vont sortir au fond du champ avec Petit Turbo sur le retrait. Martin Calacu et Bélia Lima. Ils vont sortir sans problème. Ils vont sortir sans problème. Je sais pas, c'est pas si grand. Putain, connard. Non, mais t'occupes pas. Yann. Donc nous, on est content d'être deuxième parce que derrière une jument comme ça, il n'y a rien à faire. C'est une surdouée. Il est retourné à Longchamp, tu sais. Ah oui, oui. 2000 mètres. Qu'est-ce qu'elle battait? Je vais te dire ça. Elle battait pas grand-chose, hein, mais enfin bon, c'est pareil. Elle battait une jument qui s'appelle Free Flying. Pour aller là-dedans. Sûrement. T'as vu les courses de demain, là, ils étaient deux. Oui, oui. J'étais un des deux, maintenant on est six. C'est une pouliche qui, chez moi, évidemment, domine les autres, mais qui sont des juments qui sont assez moyennes. C'est pour ça, on part un petit peu quand même dans l'inconnu. J'adore. Tu sais que quand elle était Yearly, c'était ma préférée. Elle était exceptionnelle. Elle marche, tu verrais comment elle marche et tout. Et à deux ans, je l'ai déçue, j'ai jamais pu... Tu vois, elle a eu des boulets qu'on travaille, elle avait toujours quelque chose. J'ai jamais pu vraiment l'entraîner. Là, elle a fleuri, elle est magnifique. Elle est belle, hein, t'as vu ça? Le poil qu'elle a, là, elle est en bel état. C'est récent, tu vois. Là, elle vient, je la sens, elle mûrit, tu vois, comme un fruit. Alors évidemment, l'objectif, c'est le prix de Diane, bien sûr. Bon, bah, allez-y. Bon, les voilà. Elle doit être la cinquième. Je vous ferai voir. Oh mince, c'est l'Amazonia. C'est pour que la côte ne pèse pas. Ouais. C'est pas que vous la faites pas voir. Vous n'êtes pas fait mal, non? Non. Ici, ça s'appelle un gagnant. Bon, elle est prête, je pense. Qu'est-ce que ça change pour toi maintenant, pour ton métier d'entraîneur? Tu vois tes chevaux travailler, est-ce que c'est une façon différente aussi de voir ton métier? Bah, je vois tout le monde travailler, là, ça change un peu, ça m'apprend autre chose. Quoi. J'essaie de regarder pour apprendre, et puis je fais ça un peu à Jean-Paul Marmion. C'est pas facile à mon avis, c'est un grand coup de chapeau, parce que de temps en temps on aime bien être dessus pour dire on va faire ça. C'est un monsieur qui doit être très fort à entraîner ses chevaux rien qu'au visuel. Allez, la photo. Pour une fois qu'il y en a. Tiens, tu me fais une photo. Ouais. Tu peux me faire pour une fois qu'on ait une photo à l'arrivée. C'est pas tous les jours, alors on peut. Non, mais tu es avec Frédéric et le cheval. Attendez, appareil photo. Voilà. Voilà. Allez, Frédéric. Ah, et Alexis, allez. Allez. J'envoie ça en Espagne. Ça a marché? Tu veux me dire un petit mot? Fais attention avec ta grosse moumoute de ne pas lui faire peur. On recommence, Frédéric. Oh. Allez. Ah oh bah merde, il peut bien. Hein. Rassure tes collègues, c'est ton meilleur.
Oh, j'en ai 4, oui, bah ouais, non, c'est le moins bon, j'en ai encore 5 de meilleurs, mais non c'est le plus vite. Ouais, c'est le plus vite. Une aura de loup tout à l'extérieur, numéro 6, en deux temps, numéro 9, une de chemin, le 4, une énergie. Place un nuage Cosmo sur un nuage, Emmanuel Allard, deuxième position, le 4, une énergie du gîte. Merci à deux tirs. Parce que pour moi, l'autre cheval de la course, c'était Wivering du gîte. Donc je ne savais pas s'il tenir au chaud ou s'il y aller. Quand j'ai vu que Jean-Étienne Dubois, il n'arrivait pas à le tenir au chaud, donc pas d'allié avec moi, il a fallu y aller. Et le cheval, il s'est vraiment bien allongé, quoi. Il gagne vraiment facile. C'est pas le même poteau. Oui, je suis au box 31. Oui. Bravo, monsieur Allard. Merci. En ce moment, il est en plein épanouissement, ton cheval. Ouais, bah depuis que je le mène différemment, quoi. Hein, je savais que je le menais pas assez offensivement, contrairement à tout ce qu'on raconte. Mais non, bah voilà, en le menant offensivement, ça lui plaît, quoi. Hein, voilà. C'est les chevaux entraînés pour. Hein. Ton deuxième lot, c'est Nicolas. Ouais. Il y a des bons chevaux là quand tu vois passer par Bichet, d'un week-end. Ouais, je le vois au deuxième. J'aime bien qu'ils aient un peu de lumière, un peu de chaleur. Ouais. C'est mon bon lot. S'il n'a pas pris de fils, c'est sûrement exprès, parce que maintenant tu peux plus éviter. Allez, on y va, juste. Je trouve pas qu'il y a les deux ans là. Attention au coup de pied les gars. Prestige Vendôme, c'est le deuxième, c'est le gris. Pas trop près, va pas trop près. On part au petit trot, hein, si on peut là. Nicolas Blenken, pardon, on va recommencer. Je me satisferais bien d'en avoir 5 autres comme lui. Love was